Gros nouvelle, mon ami yo, bienvenue. C'est sous TAC 509 ou connecté n'importe côté où y est. Depuis où c'est haïtien, ou doué compte tout ça qui a passé en Haïti ou à l'étranger. Pas oublier abonner, commenter, liker, partager vidéo pour travail là, capable avancer. Zami Pao Foucault. Matin là, l'été environ 10h30. Yon Prado blanc vite teinté et blindé. La gueule des guidons de yon petit taxi. Li tap tente fè yon kidnapping. Mais population an ki soumèl rele an mwey. Et rapidement la police débarque. Katouche ouè. Donc la police tombe tiré avec monsieur ki an dedans Prado. Donc ça qui passe, eh bien rapidement, yon policier ki si fameux ki rele Paul Menard. Nous songe Paul Menard sa te implique nan dossier. Petit Eric Jean-Baptiste la ki te kouri soti kafou al tombe Thomas 25 la. Nous rappelons nous de dossier sa. Eh bien, encore yon l'autre fois, c'est Paul Menard encore qui se sel défense. Nous pas kon défense qui sa. Donc, en ce sens, mesdames, mademoiselles et messieurs, rapidement, monsieur débarqué et c'est que tout secte ensemble avec la police empêche journaliste prend photo plaque machine ça et non seulement ça tout pour pas identifier qui est qui en dedans machine nan. Et puis après ça DCPJ yo prend machine nan direction pour DCPJ pour qui ça c'est comme ça ça passé pour qui ça policier ça lui même qui empêcher journaliste yo aller al prendre plaque machine nan. Pour qui ça chauffeur moto yo pas suivre machine ça pour aller garder qui côté machine nan a entrer directement puisque yo kon habitué suivre machine déjà donc pour qui ça qu'on y a? Eh bien, policier lui-même, il était empêché ni journaliste ni moun kap passer à pied prend photo plaque machine nan cause nan moment là n'a fait face à un phénomène kidnapping kap ravage pays d'Haïti. Mesdames, mademoiselles et messieurs, ça passé, eh bien, matin là, base 400 marozo frappé fort, et yon yon frappé là, ça baille gros inquiétude, puisque, en pile moun ki gen 6 mois et ki kapab jouen kop pou yon mette visa, a blague pie yon en République Dominicaine pou yon kapab protéger tête yon, conserver la vie yon, puisque situation anti-jan critique nan pays d'Haïti, eh bien, base 400 marozo, ouvert balle sur yon bus kap sorti en Haïti qui pralé en République Dominicaine en pile moun blessé et yo compté plus passé 33 cartouches dans une seule bon machine et Jean yo tiré semblé gen yon moun qui prend balle nan tête rale ti chaise ba ou chita confortablement m pral bon tout détail sa yo nan bon ti mamite puisque gen parole mais pas gen bouche. Bonjour, bonsoir tout le monde, comment nous y est? Encore une fois, m'abdou merci. Merci parce qu'on fait une confiance pour nous informer et merci pour fidélité ou avec patience. Merci parce qu'on like, merci parce qu'on abonne et merci tout parce qu'on partage vidéo, ça fait nous plaisir en pile. Encore une fois, si vous faites tomber sous channel là, pas hésiter à activer cloche notification par là pour pas rater aucune vidéo. C'est Zami Pao Foucault. Matin là, nous te bayon ti compte et compte ça qui c'est m'a passé dans yon riel et puis moi ti mouchoir blanc ti mouchoir blanc. Donc en pile moun perdu élément de réponse là, mais réponse là c'est craché. Donc compte wap gen pour aller chercher élément de réponse là, mesdames mademoiselles et messieurs, meni lem chita mpiwo, lem kampe mpiba. Lem chita mpiwo, lem kampe mpiba. Pas oublier quitter élément de réponse pa ou là dans commentaire là, ça a fait nous plaisir en pile. Mesdames, mademoiselles et messieurs, eh bien, ça qui passe dans le pays d'Haïti, matin, la gros crise tension, ça qui t'a pral débouché, fait un paquet de manifestations, n'importe où, prise, caoutchouc a boulé pour juste moment, m'a parlé ensemble avec nous là. Donc, eh bien, yon Prado blanc, vite teinté, et vite la blende, tout. Donc, jan de machine, ça, c'est pas machine, ti malere ak malereuse, tant kou m'ap genye, quand même, c'est gros tête, moun ki gan pile l'argent en dedans pays, ya, ki capable genye style de machine, ça. Eh bien, ki pral tente faire un kidnapping, nan yon ti taxi, comme nous connaît. Et zone bagay sa passe, c'est Avenue Christophe. Donc, zone sa, nous connaît, c'est taxi qui presque fait, yo. Donc, en ce sens, eh bien, moun yon getan lage pie yo, et non seulement ça tout yo tout rete en dedans machine. Population qui tap suive avec attention. Donc, la police débarque, j'en nou capable gade gen en pile cartouche qui tire, et
les policiers ont même rete yo seke machine nan pou machine nan pa kouri, et bien sak passe Paul Mena pral débarquer, yon policier qui fait partie de DDO pral débarquer avec yon équipe policier kounya la zone nan vin seke, journaliste pa ka approcher machine nan pou prendre numéro plaque, yon façon pou n te ka konnen ki sa ki met machine nan, pou ki sa se sal choisi bay pou le faire ensemble avec, yon façon au moins pou n te capable trace son exemple de sa ka passe nan pays a jodi a se sa moun sous place au fait qu'on est mais rapidement et mes gros taureaux sali même li pral camper en quoi pour le dire non ça pas qu'à passer comme ça et puis ça pral passer prend machine nan descend dans les CPJ. Donc mesdames mademoiselles et messieurs, il y a plusieurs points pour nous comprendre là. Moi pense que la police en dedans la police a chargé policier qui corrompu nous comme ça et ça qu'a passé journée jodi a kidnapping qu'a fait journée jodi a en pile policier inclus là-dedans. Et ceci preuve la clé devant nous. Tout dernièrement là, il y a un paquet son en fantôme 509 ça qui implique dans kidnapping et la trier. Et jusqu'à journée jodi a tout chargé l'autre qui en dedans kidnapping dans tout qu'a piafé. Paul Ménard, li fait nous poser tête nous en pile question. Attendez bien. Nous songe dossier petit Eric Jean-Baptiste là, monsieur pour moto le gétant pour l'op rivé Thomas, ça c'est un. Journée jodi encore Paul Ménard encore. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que la occupé de job li normalement qui se protégé et servi ou bien c'est un mal la fait population? De toute façon, moi connais la fille mais pas qu'on levé sans difé pour se bourricou qu'on paie en avant, mais de toute façon, la natigue pour le faire reste là. Mais nous même babor ici tout moun ka parler en pile sur réseaux sociaux, il faut que nous comprenne ça. C'est pas les bourri qui fin passer tout pour n'après les fermer barrières, gentil proverbe créole la dit. Comment fait les policiers fantôme 509 yo sorti? Gon paquet chauffeur moto qui accompagne yo tout parcours yo crasé brisé. Mais journée jodi a gon paquet chauffeur moto qui était sous place. Qui était campé les que yo tiré balle ensemble avec policiers. Les on prend machine yo praler ensemble avec pour que ça nous pas continuer suivre li puisque nous même nous sous place la police pas ta tirer nous toutes. Elle pas ka pété balle sur nous tout parce que nous même nous voulons une explication. Je ne j'en dis à nous capables de comprendre, c'est pas les bruits qui a fini passer pour n'après les fermer barrières, c'est pas sous réseau social pour être pour avouer monter, mais c'est descendre vin fouler béton, hein, parce que bagarre la triste, vrai. Je ne j'en dis à, c'est pas ni grand ni pouvoir qui a victime, c'est population qui a victime. Comment t'es qu'à comprendre pour y'a kidnappé un moun y'a demandé $300,000 américains, tandis que ou même, dans la vie pour ou même, ou pas même gagner $5,000 américains. Qui ça veut dire pour nous? Donc, mesdames, mademoiselles et messieurs, faut que nous comprenions ça tout. Immédiatement, machine finale, la police une prend machine, il a fait route li bien calme, c'est comme si rien n'était. Kounya la, n'a met bagay nan route, fait quoi? Bloquer. Mais pour qui ça n'oblige bloquer ou? Pour qui ça l'a ôté, la ôté présent devant nous, nous pas tout chercher bagay bloquer route là, pour yon pas déplacer. Pour la police, ban nous explication de ça qu'a passé ya. C'est parce que nous trop lâches, c'est parce que elle a nous tente tout bagay fin passe, laisse après les, en mouay, pas 10, pas dat, et t'es un kidnap. Mais qui est-ce qui pral, prend code la foure nan koul? Personne pa gen cran pour fon bagay comme ça. C'est même gens avec dossier l'agent Petro Caribea, donc li té la sous préval, li passé sous privé, li prend mateli. En pile nan yo ki té gagoté comme Petro Caribea, journée jodi a tout à pon j'ai droit sur Jovenel pour nous dire Jovenel t'a pour souple bonne explication l'agent Petro Caribea. D'accord, faut que nous joignions justice pour l'argent puisque c'est taxe pam ou c'est petite pa ou c'est génération qui pral payer l'argent. Moi d'accord jusqu'à présent. Mais pour qui ça depuis sous préval, les l'agent signé bay là, nous pas mettre yon flash sous moun sa pour nous dire non, l'agent ça pour valer nous gagoter déjà, pour valer nous manger déjà, ça pas passer comme ça. Faut que nous dis ça pour faire du doué fait dans pays ya. Est-ce que nous comprenons? Quand y a journée aujourd'hui on des Petro Challenger, les l'agent t'es là yo tout t'es là yo tout t'es jeune yo tout t'es là. Au contraire famille yo participer là dans tout. Faut que nous compte ça. Donc journée aujourd'hui pas qu'on a fait Petro ceci. Petro c'est là, Petro c'est l'autre bord, eh bien, Petro boulé. Voilà, c'est comme ça. Donc, en ce sens, faut que nous suspendons avec système ça. Donc, quand tu bagay là aller plus loin, mesdames, mademoiselles et messieurs, si nous décidons pour nous stopper kidnapping, nous sommes capables de faire. Oui, nous sommes capables de faire. Qui je nous capables de faire? C'est les moi-même, c'est les ou même nous décidons de mettre tête nous ensemble pour nous croire ça. Mettre tête ensemble, c'est comment? Je ne j'en dis pas, chauffeur moto, yo jouen, Prado qui pral faire kidnapping. La police vini le prendre. Si c'est DCPJ ou pral avec, n'a suivi ou jusqu'à ce qu'il arrive DCPJ, n'a pas c'est en dedans DCPJ ou entre avec. Si c'est Kay Jovenel ou pral avec, suivre pour nous si c'est Kay Jovenel ou pral avec, n'a pas c'est Jovenel qui a fait kidnapping.
Si c'est caillou ou bra lavel, suivre allez caillou. Si c'est la caillou n'a vini tout, suivre la caillou. Si c'est caillou de GPNH ça nous bra lavel, suivre allez ensemble avec. Comme ça, nous va ouais à dégringer nous qui est ce qu'a fait. Mais bon, dis nous bagay, nous connaît peuple pas chambre perdi bataille. Journée jodi a ça passé comme ça nous pas prendre et bien ça qu'a vini demain matin. Mesdames, mademoiselles et messieurs, râle crayon marqué ça. Où est ça qui gagne pour venir là? Gon kidnapping qui gagne pour le fait, laisse ça y'a kembe moun yo. Y'a braché y'a tout boule yo tout. Parce que moun konne haïtien lèl neve, l'neve pour de bon. Parce que nous sommes peuple qui si tellement douce, n'est pas si passé ou passé bien en tête nous, nous poli, nous soit, nous gentil. Même konne lè nous pousse kon pour de bon. Donc, mesdames, mademoiselles et messieurs, matin là, m'attend des déclarations, Moïse Jean-Charles, qui c'est un leader, qui fait 3 ans comme magistrat et le passé comme sénateur encore. Je ne j'en dis, ya, pour monsieur Kapel dit m'gon ça, les coups qui est-ce qu'a fait kidnapping jusqu'à présent pas de problème, mais ou pas dénoncer. Parce que là, l'État pas inspiré confiance, li pas inspiré sécurité. D'accord, oui. Mais en tant que moun qui appelait demain matin, qui te posait candidat à la présidence pour venir diriger pays, ya, si journée aujourd'hui on pas qu'à dénoncer yo, si journée aujourd'hui on pas qu'à gagner cran pour dire mais qui est-ce qu'a fait pas penser c'est leur président ou a qu'a fait non. Donc messieurs dames, peuple haïtien, est-ce que nous comprenons qui n'a qui niveau politique mettez nous, politique fait nous vin égoïste, politique vin fait nous gain orgueil, politique fait vin fait comme si ça pas garder, nous vin comme si regardant, l'aime dire regardant comment, par exemple, moi gain petite moi gain problème ensemble avec yon voisin. Mais à cause moi qui paye un poste, même quand l'autre voisin sous côté à lui, même ça lié, il en opposition. Moi c'est l'État oui, voisin lui même il en opposition. Et bien ça qui bon côté non, c'est lui même qui kidnappe petite moi, c'est lui qui mange petite moi, qui fait m'a crier matin midi soir. Mais l'autre qui bon côté non, c'est pas connait le pas connait non, lui connaît c'est un tel qui fait même. Et ceci est elle la connaît tout, lui connaît qu'elle a fait mon mal. Est-ce que nous comprenons bien? Kounya là, mais ça pas garder puisque c'est pas petite pâle. Ça pas garder puisque donc c'est pas pouvoir, pas moi dégage, ça pas dégage, paye ou pour ou, quitte ou fait ça ou vle. Mais qui ça vle dit? Donc demain matin tout, l'ovin chef, eh bien, c'est comme ça, c'est même bagay là qui a viré, qui a fout tourner dans le monde tout. Kounya l'autre là, ou te kan pour pas jam aider le combat pour sortir dans sa lié. Tendez bien oui, l'autre l'autre ou pas chambre combat pour aider le sorti pour aider le mettre l'autre là en bas côte qui manger petite lia qu'on a celle même encore qui vient retourner dans dehors pas oublier ça que t'es connu. Tendez bien oui, pas oublier ça qui t'es connu ou connaît celle qui manger petite l'autre là lui même ou entrer en bas elle ou puisque déjà connaît son atout fait lui connaît ça le café qu'on a là c'est l'autre là lui même qui va le virer opposé. Mais si que c'est ou même qui opposition hein, sauf fait ni ça qui manger petite l'autre là ou dévoiler et c'est sous conseiller pour le quitter ça et non seulement ça tout ça qui sous pouvoir ou aider tout pour l'avancer. Kounya là, immédiatement vin chef ou pas senti wap gen moins ennemi, kon sa tou wap ka travay plus, wap kapab avanse plus. Mais jounen jodi ya, lò kan po di kon sa kon ki eskap fe kidnapping, ça veut dire c'est pas petit pa ou yop kidnappé, c'est pas famille ou yop kidnappé, c'est pas ou yop attaqué sa bagado, c'est peuple haïtien. Et ceci c'est même peuple haïtien ça, ou pral besoin nan jou kap vini ya, puis al tempé douet yon nan lang pou yon voto, pou yon metto président. Est-ce que nous comprenons qui sa politique la fait, moun nou yop pa borisit? Est-ce qu'on comprenne qui jan politique la li même? Li vire yo, l'tourne yo, yo tan kon pat a modele, n'importe sens politique la, le fe yo pran, yo fel pran à l'aise. Parce que, monsieur dame sa yo tan dem bien, yo égoïste trop, yo wè tête yo trop, et ceci, yo tellement vle fe parler de yo, que c'est moins que te fe, yo pa gen temps pour yo aider l'autre travail. Majorité haïtien, majorité tempérament haïtien, c'est comme ça yo. Joune jodi ya, comprenne bien oui, gen yon mi kap tombe. Mi sa kap tombe ya, nous tout te ka mette men nou ensemble nan kati ya, nous fel nou range mi ya, men non, nou yon pa fel. Nou jos a fon kampay, a fon politik, moun ki dirijan ki gon paket bagay ap regle ya, nou di apare tel pa jam retire sa la. Nou tout te ka fel oui, men nou vle wè se tèt nou pou paret, et mouk te fè tel bagay oui, et mouk te vini te stoppe kidnapping nan oui, tandis ko kon ki yes kap fel. Sou kon ki yes kap fel, man yen de vwale yo, man yen bay pepl a di men ki yes kap fel yo. Donc là on fait ça, ça qui va le passer. Eh bien, peuple a vini espérer en confiance plus et non seulement ça tout plus camper bon côté puisque yo même cap sibi toute peine ça yo même yo peut des kidnapper petite yo matin midi soir tout yo racher yo. Les qu'on dit mais qui est-ce qu'a fait le marché prend yo les ça
m'pa caché dou ou ap sorti dans loi et non seulement ça tout ou ap gagné yon lot encadrement face avec population parce que nous yon appelé pour nous vivre ensemble à l'autre. Politicien besoin peuple, peuple a besoin politicien, mais pas oublier politicien plus besoin peuple que peuple a besoin politicien. Donc pour gagner confiance peuple ça, li important tout ça ou a fait yon mal, donc ou même ou dit non ça va pas passer comme ça ou camper bon côté yon, ou critiquer et ou proposer. Journée jodi a toute opposition rete de bras croisés. Yon dou insécurité, insécurité, insécurité. Oui, yon kidnappé, faut qu'il t'aille aller, faut qu'il t'aille aller. Mais qui sont proposés en tant que monde qui appelait qui pouvait diriger pays à demain matin? C'est pas seulement camper insécurité, insécurité, insécurité. Mais qui est-ce qui crée insécurité? Est-ce que insécurité a même son Dieu qui saute dans le ciel? Yon mauvais esprit qui saute dans le ciel, qui dit sous bien côté le saute une bacon, il s'en battait, en balan mel, whoop, il descend et puis l'établit. Qui démarche nous fait tout nous-mêmes pour nous suspendre avec insécurité? Ça, c'est pas pouvoir qu'a fait insécurité à fini, non? C'est pas transition qu'a fait insécurité à fini, non? Mesdames, mademoiselles et messieurs, marquez ça bien. Demain matin, t'as gagné un pouvoir transition, eh bien, ap gen bataille pire dans le pays. Donc, qu'on y a là, c'est parti politique qui va le péter bataille ensemble à parti politique. Bagay la clé. Donc, nous dit l'autre là, li pa règle en série. Mandal fini. Les violatiques, insécurité a monté matin, midi, soir. Non, ça, ça, qui ça nous propose nous-mêmes? Seulement, faire marche et puis nous poser nous là. Nous tout ap gade bagay là, nous tout ap gade malen, nous tout ap gade Haïti couché son cabane qui presque mouri, nous tout croise bras nous sous prétexte. Haïti gè trop nèg ki remèl, tonè boulé. Ou pa ou l'on femme gè trop nèg remèl, femme nan fè kaka, kris boulit mwen sa Haïti. Et pou nan lè pil ouè, konti si proverbe créole ki di kabrit ki gen pil met mouri nan poto. Haïti tellement gagné nèg qui t'a remé sous cette roulette telle qui t'a remé passer main dans tête li qui t'a remé prendre soin et bien ça qui passé là on l'a passé le misère qui t'aimer mais pas il t'a choisi et puis le t'a avec et puis il prend a pas bon trop et bien c'est qu'on sa belle femme passé oui là est belle là est petite femme dans jeune en pile garçon derrière attendez bien oui en pile garçon derrière en pile garçon remé yo a causé yo a offert le fleur tout ouais c'est eux même qui t'a supposé là qu'a construit femme là pour faire ouais et puis femme là lui-même li gon senti fait mal li gon tête fait mal il pas joindre et quoi tel était baibo et tel bagage joindre il a quitté et bien là gè trop mettre comme ça ou mourir dans poto Haïti gè trop politiciens qui remèl sentiment trop kounya là travail là pas existe encore parce que sentiment tellement poté nous aller waouh nous tout ta ou les tétel nous tout ta sous ces bancoul nous senti nous ta kebe Haïti nous ballon volume plume nous fait crier nous fait reler nous fait reler hi papi mais bagage là pas comme ça. Faut que nous comprenions tout. Les pays ça, les femmes ça malades, c'est nous toutes qui pour mettre mais ensemble pour nous retirer le côté lié, pour nous voir que pays ça lui-même ni nos passages qui difficile, pour nous voir si c'est césarien ou bien n'importe ça nous t'es capable faire, pour nous retirer dans ça lié, nous capable faire. Mais c'est pas chita en lion bon, you n'a voué toi à sous l'autre. Ça qu'appelle d'où c'est gouvernement qui a fait kidnapping. Gouvernement qu'appelle d'où c'est opposition qui a fait kidnapping. Nous you n'a pas quisé l'autre. Mais pour qui ça nous oblige à révéler ça? C'est parce que nous youn pas droit, nous pas jamais prend conscience de état nous pour faire nous que nous youn pas droit. Donc ça pas déranger si ces petites voisines ont kidnappé et dans pouvoir aller la dégager. Ça pas inquiéter si ces petites nèg opposition kidnappé, toute journée elle n'a volé l'argent l'état, kounya ou kidnappé petite li, yo poko wè. Donc nous youn a voyé tout ya sous l'autre. Nous youn pas vle wè l'autre. Nous youn a lagué sous l'autre. Et bien c'est comme ça. Bagay la pour aller de jour en jour. Je ne jodi a ou fait me comprendre, c'est Jovenel qui met insécurité a. Jusqu'à présent, pas de problème. Je ne jodi a nous fait me croire que c'est la police qui même qui met insécurité a. Jusqu'à présent, pas de problème. Mais qui sont proposés? Je ne jodi a pouvoir faire me comprendre, c'est opposition qui problème pays a. Jusqu'à présent, pas de problème, messieurs. Poussez bouc nous. C'est Haïti, nous trois remè. Eh bien, pas oublier, remè tout qu'on perdit tout. Nous tout caille papa, bon Dieu, puis n'a mangé ti pomme pourri nous, lit, lit. Pas oublier. Jour Haïti décide pas se balè là, eh bien, pas caché dit nous. Li pas fait rabais pour personne, parce que moi qu'on est pays d'Haïti lui-même, li pas de sentiment pour personne. C'est nous remè, mais remè, là, c'est pas un sérieux n'a fait pour lui. Chaque jour, c'est petit qui n'a fait crier. Eh bien, mesdames, mademoiselles et messieurs, dos, et bien l'an mort sans jour nous sommes la police même te gaé niche l'an mort sans jour et jusqu'à présent l'an mort sans jour dans plein nan ap grené pété bret bret a fait kidnapping a tiré cartouche sous machine qui a passé journée jodi a là
en Haïti, ça qui passé, côté moi, devant ambassade dominicaine dans pays d'Haïti, plus passé 1000 moun souligne après la mouille, yo besoin visa, moun yo fait demande visa, pour yo lage pied, pour chaper pour yo, ça qui gen ti kobla, pour tomber en République dominicaine. Je ne jodi à tout, gon problème pour nous toucher, pas oublier dollar américain, la 75 goud pour un dollar américain, et ceci, si yon veut un ti kob pour, ou a besoin un ti dollar pour aller acheter visa ça, eh bien, mesdames, mademoiselles et messieurs, arrangez kob, puisque yon dollar américain pour acheter li coûte 90 goud haïtien. Range kon, ça veut dire c'est l'argent qu'a fait tout côté dans le pays. Mais nous prenons le con ça, ça va aller. Soti peuple, ça va aller nous. Et puis là, on fin gagote, là, on fin passe, et puis on gen franchise, yon gen tout net, et puis après là, mouais, krasé, wout bon, la kayou a ke, le lapi tombe, et puis c'est kayou ka plein d'eau, ka mou encore. Et non seulement ça, tout boule kaoutchou devant la kayou a font paquet de bagay, lok tè tout koto pa ka même manger même, sous prétexte soit revendiqué. Revendiqué pour qui ça? Bon, là, pour te revendiquer, on quitte le passé qu'on y aura le revendiqué. Eh bien, ça qui passe, moun a couru pour eux, si yon a chapé pour lui quitte le pays, ya. Eh bien, matin là, yon bus qui pral en République Dominicaine, chan ap gade ti vidéo ça là, ça qui passe, eh bien, pas 400 maozo, pété katouche sous moun yo, moun blessé, yo tire ni devant vite là, parce que, Jean, devant vite la PCA, coach chauffeur, si chauffeur a pas baisé tête li tap tout éclaté, machine n'a pas fait accident, ça c'est un. Et non seulement ça tout, tout bon vite là, ou tire ni devant ni derrière, ça veut dire sous deux bon route là, nèg yo campé, ça veut dire bus là li même, la passe nan mitan nan ou rafale bal. Donc, question qu'a posé, est-ce que la police là li même, a pas fait face carré à ça gagné kounya là? Parce que ça qui passe tellement que chien enragé de yo, tellement kidnapping nan, tellement insécurité à blaye sous tout territoire pays d'Haïti, donc yo pa ka sene. Sene pou yo ta sene yo la, sou sel bagay pou yo ta fè. Se met la pou yo pren. Si yo pa pren met la, ebi ti soldat sa yo tellement pile, ebi se même jan avec yon pied bois. Ou pensons fin coupe pied bois en l'air pour finir mes racines dans li même, li continue à pousser et bourgeon yo a bourgeonné. Donc, mesdames, mademoiselles et messieurs, ebi même journée jodi a nan kafoua yo pour apprezen sa fin passe nan Aveni Christophe, ebi yo pral kidnappé yon agent USGPN. Nan bon on a parlé à la village solidarité lui-même campé sous deux pieds militaires pour la police dégager Bali agent ça donc il a kidnappé la police qui côté au bras avec autant pris souple monsieur Damio déclaré c'est village de Dieu grand Avine dans sens ça qui ça la police lui-même l'a fait comme yo te dit qui ont force étrangère sous terre qui c'est l'armée colombienne donc en ce sens qui décision a prend face avec situation critique ça qui a traversé pays d'Haïti côté personne pas épargné ou sorti ou entré dit bon Dieu merci parce que la vie ou pas non mais bon Dieu presque j'aime des capable dire mais ou connaît bon Dieu puis fort quand même et ben bandi yo tout yo commandé dans la vie ou et politicien yo tout yo passé l'ordre dans la vie ou, parce que c'est si ou vle vivre ou ap ka vivre donc pays ça vinn tout non pays sauf qui peut parce que bagayo mangomé et autre l'aide donc en ce sens responsabilité a c'est moi même c'est ou même c'est nous toutes qui pou mettre tête nous ensemble pour nous dire non à ça qu'a passé yo là non avec toute brigandaille et sécurité ça ou dans pays a non pour que nous suspend mourir dans état pareil non avec dossier kidnapping ça non avec gros négio cap armé ti petit par en bas pour simer la trouble ay plus en dedans pays a parce que pa barisite nèg prêt pour faire ça yo vle yo bay maman yo nan job yo bay papa yo nan job yo bay petit yo qui sorti dans entrail yo nan job pour yo capable gain pouvoir allez voir pour ou même yo pas konn ni en petit ni en petit sauf que yo konn c'est haïtien pareil yo pour yo pas ta tout yo pour yo pas ta élimino pour yo joindre ça yo chercher mesdames mademoiselles et messieurs après ça fin passé matin là et bien nous connaît population li même dans avenue Christophe déposer la patte sous yon prado blanc qui t'a tenté faire un kidnapping mais grâce avec diligence que population a te mette dehors la police vient débarquer et on prend machine ça yo entre avec en dedans de CPJ donc nous pouvons konn ki sak sorti pour machine ça mais nous connaît dossier tete vite machine nan c'est bagay qui a la mode Amin Goudouka al check on déclaration et puis ou faire déclaration et puis vite machine ou tente, c'est aussi facile. Ça vient faire que ces machines vite tente avec ces plaques service de l'État qui viennent à faire kidnapping, eh bien ça passe que
paquet plaque machine qui distribue tout partout dans le pays. Comme nous connaît, la police même t'est déjà sorti yon arrêté pour capable changer toute plaque machine. Plaque machine bleu ciel nous te voyons, yo pral changer en jaune, et bien toute plaque machine service de l'état yo pral changer yon façon pour capable mettre sécurité dans dossier plaque machine ça, et ceci pour capable kebe moun kap fè jan de kidnapping ça yo avec machine service de l'état yo. Et puis tout DGPNH la annoncé zafè ou se gros zouzoun ou pap descend vite machine ou lè, la police camp pour la cause ça pral fini. Et ceci yo déjà mette yon alerte sous tout pays a que tout commissariat tout policier net li même li pral foule béton yon façon pour capable sécuriser population. Mais qui te prier en pratique mesdames mademoiselles et messieurs, ça passe comme ça. Département d'état seulement sorti on note dit faut élection faite dans pays a, et puis nèg yo vide l'huile dans kidnapping nan, rou, yo vide l'huile dans insécurité a, rou, et puis passe mouté voup. Pour plus de détails, entendez déclaration DGPNH là, Léon Charles. La police a été en rencontre de haut commandement pour nous te ouais ensemble qui mesure pour nous prendre pour nous couper phénomène insécurité là, spécialement remonter des cas d'enlèvement. Point ça en affaire, c'est pour nous rassurer la population. Au commandement de la police, là, avec tout policier, des sénateurs, 24 sur 24, pour faire face à problème d'insécurité. Il y a une mesure que nous prenons pour nous capables de permettre que la population travaille avec nous, pour nous capables d'informations pour nous gagner, pour nous capables plus de résultats. Nous mettons un numéro très simple pour que la population cap communique avec nous. Le numéro ça c'est 122 1 2 2 cap opérationnel à partir de vendredi. Côté population cap relais la police là n'a prend information yo pour agir rapidement ou bien pour traiter pour agir après. Parce que problème kidnapping c'est pas un problème police seulement. Il vient tout un problème de société. Côté, tout le monde doit participer là-dedans pour nous capable comment capable de rétablir la confiance pour nous capable pour population capable de rapprocher de la police. Je me dis là son responsabilité partagée, la police est prêt pour jouer Wolpal et n'a pas numéro de téléphone ça c'est 122 24 sur 24 cap disponible pour nous prendre information dans main population. L'app disponible vendredi, mais entre-temps, la population qui a utilisé le téléphone ça, 38 38 11 11, 38 39 11 11, 38 38 11 11, 38 39 11 11. Donc c'est le lien que nous avons essayé d'établir avec la population pour ensemble, dans le principe de responsabilité partagée ça, pour nous capables stopper le phénomène que la famille a souffert, la société n'a pas capable encore. Et la police a dit, avec le commandement, nous à terre. Nous remarquons tout, grand pile de monde qui a imposé tête en tant que négociateur. Sans y avoir autorisation par un monde qui a enlevé, sans y avoir travaillé avec la police. Les gens qui ont connaît le comportement ça. Pas bon, et la police va relayer pour yo wè qui motivation yo. Parce que tout ça rentre dans la stratégie que nous avons utilisée pour freiner monter cas enlèvement. Jean nous wè, la police a mobilisé, nous avons fait 24 sur 24, nous avons fait des fouilles, intensifiées fouilles yo, à travers la zone métropolitaine, question vite tété, question plaque service de l'État. Question plaque officielle qui n'est pas actualisée. La police n'a pas gagné un passe pour qui. La police a fouillé tout le monde. Ces mesures préventives que nous avons faites, que nous avons prises et que nous avons commencé à prendre, renforcer pour nous capables de couper le phénomène. Donc, nous dans la rue, nous avons sollicité appui de la population
pour nous capables plus bailler plus résultats pour ensemble avec la population mesures renforcées et pour que la paix finalement et de façon permanente retourner pour que tranquillité d'esprit pour que timoun yo ka l'école pour que nous empêchions que pays respirer et puis que tout le monde cavaque à occupation. En tout cas, nous souhaitons décision ça yo respecter normalement et ceci mesdames mademoiselles et messieurs, DGPNH l'a déclaré kidnapping nan, je nous pense li a li plus que ça. Ça veut dire DG, tout le monde ka fait. Ay, bagay yo compliqué, non, zin mélangé nan men nou. Mesdames, mademoiselles et messieurs, gen zen nan pays d'Haïti. Ça veut dire gen moun ki fè kidnapping nan, ou pa ka pale, ou pa ka cite nan yo DG. C'est ça vle di nou bala. Bon, de toute façon, walou la en tant que chef pour protéger et servir. Donc sou pa capable remettre la mayol parce que bagay la critique et ceci, j'en ap gade la nou tout pa ka kouri kite pays ya. Faut que nous tout rete vive parce que ça ka passé là, li té passé nan jou passé yo, nan année passé yo, l'autre de yo besoin président aller, nèg yo fait tout ça yo capable. Et président lui-même l'a dégagé le tout pour le faire resmandal. Donc en ce sens, personne pour qu'on connaît qui j'en film n'a pas fini. Mais moi-même m'a dit nous, moi connais comment film n'a pas fini déjà. Mesdames, mademoiselles et messieurs, oui pays a stressé, mais nous-même nous pas qu'à quitter vieux stress pour aller parce que nous connais, nous pas qu'à faire maladie sick. Avant d'aller, bon raconte une histoire non qui très très important. Tonton qui t'a travaillé dans une compagnie de construction et puis gon caille pour y construire. Mais c'était au quatre boss qui t'a fait travail ça. Ça passé et puis pendant travail la fête et puis Toto senti gon toilette qui est belle. Toto levé la toilette, l'elle tourné et puis monsieur c'est béton au tap coulé sous rez-de-chaussée après ça puis elle mettait premier étage et bien Kayla lui-même li vidé sous monsieur tous les trois mouri. Mais comme on connaît son compaï qui t'a fait grand travail ça et puis après enterrement yo signé $1 million by chaque madame bossa yo qui t'a travaillé en dedans la caille. Mais où connaît Toto li même confrère li yo mouri li inconsolable et madame Toto li même li té en enterrement tout les au fin signé chèque ça by chaque madame nèg yo qui mouri ya et bien madame Toto levé tête li regarde Toto et dit gardez toi gardon quoi vous fait m'bédi dans remi kaka restez là. Pas déplacé, n'a fait suite avec Voix d'Amérique Presse information nationale et internationale. N'a tourné dans un petit temps qui pas trop long. Gros nouvelle. Mon ami, bienvenue. C'est sous Tax 609 ou connecté n'importe côté où y est. Depuis où c'est haïtien, ou doit compte tout ça qui a passé en Haïti ou à l'étranger. Pas oublier abonner, commenter, liker, partager vidéo pour travailler là capable avancer. Zami Pao Foucault. N'a salué tout le monde, n'a remercié Oliver qui était rentré la caillou après-midi. Le programme ça a venu jouer la caillou depuis Washington DC, qui c'est capitale fédérale américaine. Non, qui a suivi le programme dans tous sur réseaux sociaux, sur Facebook, sur Instagram, sur Twitter et puis tout sur YouTube avec l'autre médias sociaux. N'a commencé actualité à pays d'Haïti, nous va joindre et collaboratrice nous qui s'est supporté nous tous, Sandra Lemaire, qui lui-même qui travaille dans salle des nouvelles la Voix d'Amérique là. Et qui pral parler nous exactement des actualités dans le pays d'Haïti et de pression qui a augmenté sous administration Joute et Jovenel là ou bien Jovenel Joute là pour organiser l'élection pendant l'année 2021. Sandra, bonsoir, comment est-ce? Bonsoir Jean-Robert, bonsoir tout le monde. Et Jacques, moi chargé aujourd'hui. Hein? Donc, vous connaissez que le département d'État gagne. Il y a une conférence que lui fait avec la presse chaque après-midi. Donc, hier, la Voix de l'Amérique posait quelques questions sur Haïti. Et nous posions une question sur l'immigration en Haïti. Donc, tu me dis qui ça nous posait et tu me dis la réponse Ned Price, porte-parole du département d'État. Donc, nous demandons, est-ce que le département d'État peut recommander pour l'administration Biden non, prolonger TPS statut protégé temporaire pour Haïtiens. Ned Price répond nous que loi États-Unis mandé pour ces départements de sécurité nationale là, Department of Homeland Security, qui prend décision sur ça après les fin consulter agence appropriée. Donc, nous pas tarément fait commentaire sous discussion qu'a fait entre agence ça sous question TPS là.
Donc, il n'y a pas vraiment une réponse fixe. Il dit nous que c'est département sécurité nationale. Là. Nous dit département et en anglais, mais c'est un bureau, une agence gouvernement américaine. Donc, nous posons nos deuxième question. Deuxième question, c'était leur considérer instabilité politique qui gagne en Haïti actuellement, est-ce que ou quoi plus Haïtiens pral chercher asile aux États-Unis? Réponse Ned Price. En général, moi qui a dit que c'est responsabilité gouvernement haïtien pour organiser élection en 2021 qui libre et honnête et crédible. Nous pouvons coller avec la communauté internationale là, dans l'appel à lancer par acteurs politiques haïtiens pour mettre tête ensemble pour joindre une solution. Nous soulignons plusieurs fois que le peuple haïtien mérite choisir leader livré et puis faut qu'Haïti rétablisse institution démocratique yo. Donc pour monde qui a regardé qui pas connaît qui ça TPS là, nous dit déjà que c'est statut protégé temporaire que lié, c'est une décision, c'est une loi immigration que gouvernement Obama a été prendre. Après tremblement de terre en Haïti en 2020, donc décision ça a été prendre le 21 janvier 2010, moi je dis 2010. Donc, et li, c'est une recommandation qui fait pour statut ça, pour moun qui, soi-disant, a vivre dans un pays côté qui te gagne un gros désastre naturel qui frappe, qui saccage le pays, hein, ou bien côté qui gagne instabilité politique, la guerre, bagay comme ça. Donc, à cause du tremblement, 12 janvier 2010, Haïti, hein, yo te décidé by Haïtien statut ça, TPS. OK? Donc, le Trump te vin président, li te décidé que li pral et éliminer statut ça pour Haïtien. Et li te décidé que statut ça ta pral fini à partir de septembre, mois de septembre année 2021. Donc, septembre année ça. Mais en attendant, il n'est pas réélu et Biden vient président. Et le Biden a mené campagne, il est Miami, il était rencontré dans Haïti, Little Haiti, avec Haïtien américain. Et il y a une question que j'ai dit qui est très concernée, qui est très intéressée, c'est la question TPS, parce que il y a une plus grosse communauté presque de Haïtiens qui vivent aux États-Unis, c'est Miami. Il était promis pour li prend ça en considération et que li travaille sous ça. Donc c'est peut-être ça que Haïtien très fâché qu'on y a que rien pour qu'on fait sous question TPS là et que yo pour qu'on vraiment bail une décision. Faut que nous dit tout que département sécurité nationale là donc agence gouvernement ça et moun qui dirige là secrétaire c'est yon moun que président nommé. Donc le Biden rivé président, li nomme yon moun, mais faut que le Sénat américain confirme moun sa, approuve moun sa avant que moun sa entre en fonction. Donc, nous gagnons un nouveau secrétaire, Homeland Security, Sécurité nationale, li rele Alejandro Mayorkas, c'est un Cubain américain, li c'est un immigrant, parents li émigré aux États-Unis, soti Cuba, le petit moun piti. Il est premier latino et premier immigrant américain qui j'aime diriger agence ça. Mais il est entré en fonction, ça gagne un mois de ça seulement, le 2 février 2021. Donc, ça prend temps, on connaît, pour bagaille au fait. Donc, il y a travail sur ça, mais nous ne pouvons pas avoir une réponse. Mais ça n'a pas empêché que. Et pas grand monde qui a critiqué. Nous prenons contact avec l'organisation FOM en Miami. C'est une organisation qui travaille sur la question immigration haïtienne. Dirigeant, c'est Marlène Bastien. C'est une haïtienne que liée. FOM représente Family Action Network Movement. Et mes commentaires que l'I fait sous causer TPS là pour haïtiens. Li dit nous que nous lancer appel by président Biden pour demander secrétaire Mayorkas pour redésigner TPS pour réfugiés haïtiens.
c'est un bagage femme a demandé depuis longtemps. N'a travaillé pour ça même j'aime avec l'autre organisation qui a défendu droit immigrants yo. Faut que ça fait kounia. Et nous connaissons que nous t'ai parlé avec ambassadeur haïtien Bokchi Edmond sous question immigration avec sous question TPS là. Ambassadeur Bokchi Edmond t'ai dit nous tout que et le gouvernement Biden a considéré légalisation TPS, statut protégé temporaire. Ambassade Haïti pour continuer de travailler avec responsables américains pour que yo défendent droit haïtien qui vivent aux États-Unis. Et il a lancé appel by président Biden pour lui travailler avec membres Congrès pour joindre une solution qui puis durable, qui puis finale sous question ça. Donc, mais ça me gagne pour vous, Jean-Robert, sous causer immigration aujourd'hui. OK, Sandra, sinon, tu as un petit résumé de. Nous connaissons que la justice américaine prend une décision. Et nous rappelons dernièrement, le président Jovenel Moïse dit qu'il a demandé aux autorités américaines pour de combattre les armes qui ont quitté les États-Unis pour venir en Haïti. Et nous apprenons que il y a une décision de la justice prend sur un ancien militaire américain qui a cherché à faire des armes entrer en Haïti illégalement. Actuellement, c'est un militaire actif, c'est un marine américain, c'est un sergent dans la force marine américaine. Non? Et M. Relé Jacques Durosso, il a 34 ans. Il était, pour nous rappeler, auditeur rapidement, si vous n'êtes pas au courant de l'histoire, M. était voyagé avec 3 mallettes chargées avec ZAM en Haïti. Là, il est arrivé à l'aéroport Toussaint-Louverture, Port-au-Prince. Soi-disant, on a rencontré lui et puis fait passer la douane. Sans aucun problème, mais là, il a demandé de remplir un papier immigration en la douane. Il était j'en viens agité. Et puis, monsieur, d'après ça, il a dit, il a souffleté un policier haïtien. Donc, ça a soulevé attention l'autre et policier haïtien qui a fait sécurité dans l'ambassade là. Et puis, c'est comme ça que il était venu. Éclairer une lumière sous monsieur, garder monsieur de près et yo te vin joindre que même monsieur a pensé faire zam entrer aux États-Unis. Monsieur t'a déclaré que intention c'était pour lui entraîner membres l'armée Haïti sous combat et puis il t'a dit que il t'a voulu président Haïti. Donc les Haïti t'a metté main sous monsieur, yo t'a metté en prison. Dans le mois de novembre, année passée, et en mois de décembre, il a été déporté aux États-Unis. Donc, il a été fermé en prison, et procès, monsieur, fait. Et jeudi, nous apprenons que monsieur condamné pour passer 63 mois, qui donc 5 ans, en prison pour être Zaksa, que lui commet, ce qui c'est trafic illégal d'armes. Et pendant que nous t'avons parlé avec hier, Jean-Robert, nous t'es en onde, et l'ambassade américaine à Port-au-Prince t'a envoyé un tweet côté que lui t'a dit suspend vente d'armes illégales. Côté lui fait connaître que l'ambassade américaine travaille avec plusieurs agences immigration les États-Unis, ensemble avec le département d'État, une agence qui travaille sous trafic, drogue illégale avec crime international. Et puis tout avec li fait connait police nationale haïtienne nan, pour yo travail sous question pour combattre trafic d'armes illégales. Yo dit que y a essayé by police nationale haïtienne nan, assistance technique avec formation pour aider atteindre objectif ça, que c'est un objectif que président Jovenel Moïse t'a dit semaine ça, c'est un objectif yo, une priorité li. Voilà, Jacques et Sandra Lemaire, merci en pile pour renseignement ça, pour information ça, pour partager avec tout le monde qui a regardé nous et tout auditeur nous tout. N'a pas cassé un devoir avoir pour demain pour encore l'autre information que nous connons bien, que vous pouvez pas partager avec téléspectateurs nous et auditeurs nous. D'accord. Et puis nous parlons de notre cap de mine actualité, nous connaissons que en Haïti il y a une grève qui déclenche. Grève ça c'est mon cap vend association mon cap vend produits pétroliers qui déclenche grève ça. Et puis il y a une grève tout que pédiatre fait tout
pour protester contre yon et mamyo qui censé ta qui t'a perdu la ville que Negami t'a tué dimanche passé alors que gaz et alors que grève pour industrie ou bien pour association industrie pétrolière ou bien machine pétrolière faire et bien même c'est pour protester contre yon mamyo que Negami kidnappé nous parlons au prince que nous pas jeune correspondant nous Renan Toussaint qui parle nous de question ça Renan qui en sait voilà ca. Bon, on a salué rapidement c'est Jean-Robert Philippe, et bien abdi que dans l'entrée sud-capitale là, et Port-au-Prince, nous avons parlé des zones Mariani, Carrefour, et bien qui bloquaient la population à protester contre le kidnapping de fait sur un entrepreneur. Non, monsieur, c'est Jean-Marc Modestin, qui, monsieur, gagne une pompe gasoline, il a réclamé 500 millions de dollars américains, il a répété 500 millions de dollars américains. Que Ravisseyo réclamait pour capable de libération. Monsieur, que les populations dans la direction sud de la capitale de la Port-au-Prince sont bloquées, Mariani, pour exiger libération. Monsieur, vous connaissez depuis quelque temps, gagné une question de kidnapping qui a taillé mandat dans le pays d'Haïti devant les autorités haïtiennes pour qu'on ait le kidnapper qui joue une arrestation. Eh bien, j'en saute dit là tout, ensuite des protestations, gagné un pompe et les propres haïtiens, eux-mêmes, ils n'ont pas fonctionné. Cependant, il y a quelques petits bâtis de gaz. Eh bien, côté petits bâtis de gaz, ils sont capables de dire très clairement, c'est en pile, embouteillage. Donc, Renan, donc ça veut dire que ça a paralysé un petit peu le transport public là, étant donné que, pas gagné, propres haïtiens, ils ont vendu le gaz pour qu'on y ait des pifos là-dedans. Ça a fermé un signe de protestation et pour te coller avec l'ordre que l'association a passé. Ah oui, tout à fait, Jean-Robert Philippe, c'est bien. C'est ça que je dis là, c'est que un signe de protestation, pour pas essentiel pas livrer gaz par les consommateurs, mais il y a quelques graines quand même, vous connaissez comment ils ont fait, il y a quelques graines quand même qui osaient par les gaz, mais ça pose par les gaz, là, c'est un embouteillage tout dans le capital. Et vous connaissez tout, gagné. Il y a un pédiatre, un médecin qui est kidnappé, qui a assassiné. Monsieur, c'est un parli, monsieur son pédiatre. Et bien, l'hôpital est autour, en grève, par rapport à la situation. Une recommandation pour ne pas jamais changer, c'est pour exiger aux autorités concernées, assumer responsabilité par rapport à ce kidnapping, à cette sécurité qui a prégné dans la capitale haïtienne, n'importe quoi. Et pourquoi pas dans des villes de Beauvais. Mais avant d'aller tout, on dit que il y a une fusillade qui fait sous champ de masse, le coup du 3 mars 2021, bilan, deux mouns mourus, parmi eux, une femme enceinte blessée. Criminel prend la fuite, quelques minutes après, la police, lui même été renée sous les lieux, on connaît ce qu'on a toujours fait en Haïti, les actes qui ont commis, ou après que, quand il y a un temps après, la police a venu sous place, pour capable de constater les dégâts, mais en termes de prévention, pas a rien vraiment qu'à faire, malgré tout le bagage qu'a vu. Tout citoyen haïtien qui a vu en Haïti a vu une situation pérenne, pas a rien concret vraiment qui a fait pour être capable de corriger la situation par rapport avec l'insécurité. D'ailleurs, on a vu que y a deux necs armés, à l'extérieur, ils ont fait partie des groupes gangs 4e Arozo, qui l'ouvrent coup de zame sur un autobus. Dans une zone papaye comme une grandière, il y a un autobus qui a transporté les gens qui ont sauté en Haïti pour être en République dominicaine. Donc, c'est jeudi à sa base, il y a deux personnes blessées très, très, très graves. Et puis, après ça, il y a des chefs de bus là, ils ont pris tout le bagage, qui étaient dans le bus, etc., etc. Donc, c'est quelques temps après, ou après la police, même ils paraissent sur les lieux pour venir constater des dégâts. Donc, c'est une situation qui paraît très, très, très compliquée par rapport avec situation sécuritaire là en Haïti, Jean-Robert. Merci en pile, Renan Toussaint. Et suivez l'actualité pour nous. Et puis, on a reparlé encore sur la situation ça, qui est toujours à développer pour nous connaître ce que l'autorité a fait arrestation sans ça. On a prêté toujours dans le pays d'Haïti. On a dit que plusieurs membres de la société civile là ont minimisé l'importance de la déclaration du président Jovenel Moïse fait ça pas longtemps pour dire que la mettait sous pied une cellule anti-kidnapping en dedans police nationale là. Mathieu de Villemay pour plus de détails. Gon chauffeur kidnappé dans zone APN non. Yo mande près 5 millions de dollars pour lui. Nous pas encore de quoi jeune ni. Yo tire l'en pied. Et gain mettre
propre gasoline qui m'a gagné, c'est au Sénégal qui est tout. Le kidnapping, ça nous gagne. Nous, on va remettre nous. Ça fait au moins 110 cas de kidnapping qui identifié pour les deux premiers mois. Pour trouver qui connaît le phénomène Silla qui tourne un sacerdoce pour individu qui a pratiqué des actes malhonnêtes, ça, chef l'État Jovenel Moïse compte mettre sous pied une commission anti-kidnapping qui vise à renforcer cellule anti-enlèvement direction centrale police judiciaire des CPJ qui déjà travaille avec une délégation police colombienne sous question ça. Ils sont synergiques pour créer entre toute entité qui est dans l'État déjà. Je voulais parler de sécurité publique avec nouveau secrétaire d'État sécurité publique. Là. Nous voulons parler de ministre intérieur. Nous voulons parler de toute l'autre entité qui travaille dans les affaires renseignement et intelligence dans le pays. Là. Pour nous mettre tête ensemble, sous leadership directeur général de police, là, pour nous capables de mettre un bon contrôle dans les affaires kidnapping. Là. Il y a des manches plusieurs personnalités dans la vie nationale du pays, là, pas espérer capoter grand fouille. Mais c'est un mensonge, c'est une blague, toujours une cellule contre l'enlèvement, qui était toujours habitué à opérer, qui était contre bail résultat. Dim jodi a wap mette une cellule contre l'enlèvement, c'est comme si, en des structures fonctionnelles, ou pas déjà gagné une cellule de contre-enlèvement, nous connaissons pas vrai. Une cellule de contre-enlèvement, mais qui message là, c'est que kidnapping dans le monde qui n'a pouvoir impliqué là-dedans, à un point tel, que son commerce qui est libre, l'Union doit continuer à rouler. Là, directement concerné, là, ça a réagi. Donc, la conclusion, c'est que nous avons un gouvernement scélérat qui a participé avec deux mouns, deux mèches avec qui une activité criminelle pour dépouiller les populations haïtiennes et lui montrer qu'il existait seulement les sacs à mettre existence par le danger. L'État a toujours formé des commissions. C'est bien ça le faire. Li pas trop tard. Li ka fèl. Mais moi-même, t'as demandé le côté le teye depuis tout l'estat, moun t'a brûlé en moué avant match là. Côté tout moun yo kidnappé yo, côté yo teye, tout ministre yo. Tout moun t'a brûlé les affaires élection yo. Mais population kap mourir, ça pas de fait yo rien. Vous comprenez? Li met formé commission, quitte le continue de travail, mais nous-mêmes n'a fait travail pas nous. Ça veut dire. Li clair pour nous toutes là, son question de démagogie. Ça important dans ça, moi-même voulais nous toutes comprendre. Depuis plus que deux années, y a kidnappé haïtien ici, y a touyé yo, c'est pendant. Yo kidnappé deux dominicains. Nous estimer que président ouais importance kidnapping. Tout récemment dans Nations Unies, il fait que ça dit que kidnapping n'a baissé. Ça veut dire nous comprendre et jodi an nécessité nous jodi an, c'est pas ça ancien président Jovenel a dit. Nous sommes peuple pacifique, c'est yo qui a fait violence, c'est yo qui a fait violence, n'a quitté au faire violence, n'a toujours nous même de manière pacifique prend béton. Nous devons dire à nos chefs l'état fait dans date de mars passé a pas ébranlé même yon petit crasse kidnappé yo. Côté yon jour après, c'est pour petit trois moun yo prend sur route yo, parmi victimes yo, joignent yon proche ministre santé publique ak population Marie Greta Roy Clément. Toutefois, la police dans le département sud pays, puis précisément dans la ville Okaï, rive mette main dans pas de cassava, cinq présumés kidnappés. Ça nous apprend sous compte Twitter ministre Justice et Sécurité publique là, M. Okfiler Vincent. Depuis Port-au-Prince, moi c'est Massia Dovinmé pour la Voix de l'Amérique. Programme ça vient chez nous depuis Washington DC et vous pouvez suivre nous sur Facebook, sur Twitter, Instagram avec YouTube. Dans l'autre nouvelle, ancien colonel Imler Rebu dénoncé façon président Jovenel Moïse a géré pays a et côté les critiques et déclarations président fait sur affaire que le pouvoir mettre affaire de secrétaire général ou bien représentant secrétaire général Nations Unies et madame Lalim fait devant Conseil de sécurité à savoir que longtemps pour le dire pour l'LTE parler de manifestation qui a déroulé dans le pays d'Haïti, côté il était minimisé quand c'est le monde qui a participé dans la manifestation. Ça, ancien colonel Imler Rebu. Ou madame Guéle, madame Lalim, qui représente Bini en Haïti. Le 14 février, il y a près d'un million de monde qui prennent la rue. Là, devant l'instance internationale, il disait 3000 monde qui dégagent. C'est un petit peu mal connaître le peuple haïtien. C'est pour ça qu'il représente presque un défi, presque un manque de respect. Laisse à Haïti dire que pas de problème, eh bien, n'a pas sorti pour
ou pas trouver presque dans toute manifestation de madame Lalim qui t'a parlé pas presque gain parole politique en tant que tel grand pile monde qui t'a dit yo pas dans dictature yo pas d'accord avec kidnapping yo pas d'accord avec insécurité. Mais ça qui est plus vexé population, c'est parole madame Lalim t'a dit devant le conseil de sécurité a. Jusqu'à ce que yo man, y a vous font pile blague zouli, yo mandé pour la prendre compte etc. Nous pas d'accord avec moun qui dirige nous avec des lois que vous fabriquez pour seul propre intérêt par vous. Nous pas d'accord avec moun qui violé la loi. Gen ça ou constitution dit nous tout gen devoir pour respecter l'eau. Nous pas d'accord avec moun qui météo à prendre que le pouvoir qui météo avec des moun qui des criminels connus qui fait population mal. C'est ça message là. C'est pas un message fondamentalement politique. C'est un message social qui dit qui gens nous mêmes comme être humain nous concevoir gens nous voulons vivre gens nous t'aime vivre. Nous ouais tout attitude différente de la police nationale. Mais pour qui ça? C'est parce que le gouvernement qu'on a gain en pile presse étrangère qui souterrain cap suivre évolution situation. Donc il subit manifestation et c'est sa fois c'est première fois que autant de président fait un commentaire sur une manifestation qui était faite contre mauvaise manière à diriger. Actualité ici aux États-Unis avec Serge Rodriguez. Pour la première fois depuis partisan ancien président Donald Trump qui a organisé un gros aucun soulèvement dans le Congrès en date 6 janvier passé, un ancien gros chef force de l'ordre américain déclaré par les parlementaires pendant une séance de position hier mardi, Zach Revol qui était éclaté dans le Capitole Hill a gagné pour un terroriste qui fait dans le pays, tant qu'au groupe suprémaciste blanc qui posait une grosse menace pour les États-Unis. Christopher Wray, c'est directeur bureau enquête fédérale FBI. C'est plus gros portion dossier extrémiste qui s'est sous violence raciale n'a traité globalement et pour plus force à représenter plus mortalité non enregistré pendant 10 ans qui sont passés. Monsieur Wray précisait que Zach Kras brisé en dedans congrès sorti bon côté en cérémonie qui a appuyé Zach violence et puis tout pas gain aucune preuve pour courir accusation comme quoi monde qui était envahi Capitole Hill c'était faux manifestant Trump ou bien protestataire zèle gauche. Christopher Wray. Nous mettons opportunité au égal et au côté nous vérifier les actes extrémistes qu'il y a avec n'importe idéologie. Jusqu'à présent, nous pouvons une preuve sur anarchistes, actes extrémistes ou bien monde qui a une affiliation avec Antifa dans le cas d'attaque 6 janvier passé. Ça va, vous l'avez dit, nous ne pouvons pas chercher. Nous pouvons continuer à faire ça, mais pour qu'on y a, nous ne pouvons gagner aucune preuve dans ce sens-là. Il y a plus passé 270 mois, l'autorité a déjà mis en bas corde dans le cas de déblousage le mois de janvier passé. Et le directeur FBI l'a parlé pour dire enquête après elle continuer sous question. Nous identifier et mettre plusieurs individus en bas accusation chaque jour, bon Dieu, mettez. FBI prend engagement pour continuer à faire travail, quelle que soit la quantité de monde ça prend. En plus, les républicains sous Bopayo a essayé de faire comprendre Zach Théorisseau égal égaux ou bien pisse vite passer Zach la terre gauche, tant qu'on Antifa, côté orange et sous 10 feux qui te prennent un tribunal fédéral, ville Portland, État Oregon, la saison a été passée. Ted Cruz, le sénateur républicain, est à Texas. Dans l'année qui s'est passée, a noté un pile d'actes de blousage, d'actes de violence dans un moment extrémiste, un pile d'ailleurs, c'est mon zèle gauche, qui descend sous béton tout partout dans le pays. Démocrates ont rejeté l'argument républicain au là pour là, côté au précisé que manifestation pour justice raciale, c'est un bagage sans importance de nous comparer avec actes de violence suprémaciste blanc pour commettre dans le pays. Sénateur démocrate Dick Durbin, c'est président du comité juridique Sénat. Nous pas capable de comparer ça avec des blousages violents qui devisaient renverser le résultat d'une élection. Et nous pas qu'à mettre les bagages à non plus tout dans la même catégorie avec fusillade en masse sous minorité. Faux comparaison ça, c'est un insulte pour policiers qui étaient blessés ou bien perdu la vie dans le 6 janvier passé. Serge Rodriguez, La Voix de l'Amérique, Washington. Merci, Serge Rodriguez. Dans le cadre de l'interview, journaliste service espagnol, c'est Léa Mendoza qui a fait sur l'immigration, qui a fait sur la frontière États-Unis partagée avec Mexique. Là, nous présentons aujourd'hui un immigrant haïtien Jean Lafortune qui est bloqué dans la zone Tijuana au Mexique et qui a besoin d'entrer légalement aux États-Unis. Un nom pas moins, c'est Jean-Aiguille Lafortune, sorti Chili et puis moi tombé en Mexique et pour me passer plusieurs pays pour moi tomber là. Ah bon, moi sorti Haïti, bon. Et j'ai un problème politique, moi j'ai un problème politique, insécurité, et c'est façon ça qui fait moi quitter Haïti qui fait moi bon ici à là. Moi viens chercher une autre la vie.
Non, en Chili, te gen manifestation contre politique, et ben pas de gen activité, pas de gen activité vraiment. Moi juste venu pas bon ici et puis juste moi besoin pas ça pour montrer les États-Unis. Et c'est moi gen une année 5 mois. Une année 5 mois de Tijuana. Et c'est moi venu ici pour moi papa ça aux États-Unis là. Bon, et moyen pour nous qu'à entrer dans États-Unis hein, bon. Et c'est juste entrer qu'on a t'a parlé de un programme de MPP. Ba connais si c'est un bagaille. Ba connais si un bagaille sérieux. Et c'est juste moi là m'attend pour me qu'à connais si va gagne possibilité de programme de MPP. Juste pas gagne possibilité de travail ici à là. Moi, je suis à rentrer. Bon, il y a un peu de problèmes vrais, il y a un peu de déportation, il y a déporté un peu haïtien vrai. Oui, qu'on est à bon, nous juste poser moi ici à là pour nous faire une autorisation et président pour pas qui façon. On va connaître de qui façon nous allons entrer légal tout pour nous faire une possibilité pour entrer légal. Donc voilà, Jean Lafortune, c'est une parmi quatre immigrants et journalistes et services espagnols là, Cilia Mendoza, qui a été interviewé pendant quatre séries reportages de l'affaire sous frontière Mexique, partagée avec les États-Unis sous immigration qui a déroulé sous frontière. N'a pas dit que on continue suivre ces séquences de temps en temps et n'a remercié tout le monde qui a déposé contribution dans le programme ça, Sandra Lemaire, Renan Toussaint, Mathiado Vilmé dans Port-au-Prince, ici là n'a salué Mike Frank, gain tout chef service là Ronald César qui a déposé contribution par et puis moi-même Jean-Baptiste Philippe m'a salué nous depuis Washington et qui a invité nous suivre le programme nous sur toutes les réseaux sociaux Facebook, Instagram et YouTube avec Twitter. Bonsoir tout le monde. Mesdames, mademoiselles et messieurs, merci parce qu'on t'a suivi avec attention et merci tout pour fidélité ou ak patience ou. Moi remè ou en pile et moi pralé m'ap kite nan bra papa bodje parce que c'est lui même seul qui capable protéger ou ba ou la vie ak la santé. Pas oublier avant sorti songer prier parce que c'est seul bon Dieu qui capable protéger ou nan sa ka passé pa bon site. Non pas m'se fou qu'on a croisé dans l'autre vidéo. Au revoir. M'ramasse paquet moi. Cause habitant pas misé la ville. M'pralé. Mais m'a quitté nan bra papa bonji parce que c'est lui même seul qui capable protéger ou ba ou la vie ak la santé. Bonjour bonsoir tout le monde. N'ap croisé dans l'autre vidéo. Au revoir.